Bonjour à tous, ici c'est Dams Prono, bienvenue au nouveau, un pronostiqueur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. C'est ma devise depuis le premier jour que j'ai créé cette chaîne. Voilà un peu plus d'un an qu'on est ensemble, très content, beaucoup de soutien, vraiment super les gars. Plus de 200 pouces bleus, presque 2000 vues et le nombre d'abonnés qui n'arrête pas de grimper. Donc très content, continuez comme ça les gars, avec comme d'habitude le petit pouce bleu donc en commentaire si vous le souhaitez. Et puis tout simplement donner votre avis, l'opinion personnelle sur le pronostic que je vous donne. Donc c'est vrai que c'est assez marrant hein, puisque l'expression jamais 203 n'est pas passée. La cote à 2,85 et la cote à 2 est passée. Mais par contre la cote à 1,65 n'est pas passée. C'est vrai que c'est quand même marrant. Normalement forcément plus la cote est faible et plus il y a de possibilités que le pari passe. Et bien cette fois-ci non. La raison pour laquelle je vous dis, je vous incite à ne pas parier sur des cotes faibles les gars. Allez-y, si vous sentez une cote à 2,50, mettez 5 euros. Allez-y, n'allez pas mettre 50 euros sur une cote à 1,50 parce que vous avez gagné deux fois d'affilée. Vous allez rejouer et au final, vous n'avez rien gagné. Et c'est vraiment dommage. Donc, faites gaffe à vous. Concernant ma bankroll, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais forcément, il y a tout le temps des nouveaux abonnés. Donc, certes, j'en parle pas, mais voilà, je vous ai déjà dit, j'ai pas de bankroll personnelle. J'en ai aucune. Je ne suis pas riche, mais je peux très bien miser 50, 80 euros sur n'importe quel pari, même tous les paris, même s'ils sont perdants pendant un certain moment ou gagnants. Donc, j'ai pas de bankroll personnel, mais j'en ferai une vidéo spécialement pour que vous puissiez comprendre cela. Et tout simplement pour qu'on puisse gérer les mises, puisque ça reste très important pour pouvoir dégager des bénéfices à la fin du mois. Donc, cessons de parler. Aujourd'hui, ce matin, je vais vous donner mon pronostic concernant la Coupe de la Ligue. C'est demain à 20h. Donc voilà, je fais la vidéo en avance pour que ceux qui travaillent ou ceux qui sont tout simplement en déplacement, que ce soit vacances ou autre, que vous ayez le temps de faire le pari. Donc cette fois-ci, c'est encore une cote très intéressante, une cote à 3,10 pour moi me concernant. Mise de 14 euros sur Guingamp qui s'impose chez Orléans à l'extérieur dans la Coupe de la Ligue. Le match est à 20h. J'ai misé 14 euros pour 43,40 euros de gain. Alors certes, c'est encore une belle cote. Ça ne pourra pas passer à chaque fois. Faut pas rêver. Moi, je vois vraiment Guingamp pouvoir... Ils ont vraiment les capacités de s'imposer là-bas à Orléans. On sait que quand même, la cote... Je trouve que la cote est trop élevée par rapport au, voilà, au contexte. Je pense que Guingamp pourrait très bien être coté à 2,50. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Pour moi, qui gagne à l'extérieur, là-bas en Coupe de la Ligue, c'est vraiment très faisable. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne journée et comme d'habitude, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais on peut très bien également parler de d'autres choses également. Ciao les gars!